Amis jardiniers, chers abonnés, toujours le 13 mai, donc voilà, la serre est désormais prête à accueillir nos plantations. Vous vous souvenez, je vous avais parlé il y a environ 2 épisodes de ça, de la lampe hein, qu'on avait installée au-dessus de nos semis pour essayer d'avoir des semis de meilleure qualité, qui ne filent pas, etc. Enfin, d'éviter les problèmes qu'on avait rencontrés précédemment. Et je vous avais promis de revenir vers vous pour vous montrer un peu quels étaient les résultats constatés avec ce dispositif. Bon, il se trouve que j'ai eu beaucoup de mal à dégager du temps et puis pour en plus faire un point très très bref, peut-être filmer 2 ou 3 minutes, bon, c'était un peu compliqué pour moi. Mais je vais le faire maintenant néanmoins, hein, puisqu'on va, s'apprêter à tout installer ici. Les plantes que je vais vous montrer ont été donc semées et élevées sous cette lampe. Et honnêtement, le résultat est au-delà de mes espérances, en tout cas pour le moment. Hein. Après, à suivre. Mais vraiment, vraiment, je constate une grosse différence avec ou sans cet éclairage. Alors, à titre d'exemple, voilà par exemple ici une aubergine. Alors c'est Balurois, alors c'est F1, hein, donc ça vient de chez Gamcher, hein, donc voilà ce qu'on peut trouver comme plan actuellement en jardinerie. Et voilà les aubergines que j'ai semées à la maison. Bon, elles sont un peu plus frêles, elles sont un peu moins ligneuses, on va dire, hein, je pense que je les trouve un peu plus herbacées, mais globalement, voilà, on n'a pas trop à rougir, hein, c'est pas trop mal. Hein. À titre de comparaison, l'année dernière, sur les aubergines qu'on avait semées sans cette lampe, on n'avait pas tellement obtenu un problème de plants qui filent. Le souci, c'était plutôt qu'on avait eu les deux cotylédons qui s'étaient développés, à la limite une petite feuille ou deux, et c'est tout, ça en était resté là. Donc on a, à la fin de la saison, les plants n'étaient pas morts, mais ne s'étaient pas développés, avaient complètement végété, et on était très loin du résultat avec lequel on va déjà démarrer cette année, ce qui nous permet d'être pour le moins optimiste. Bon, encore une fois, on verra bien. Alors, je vous montre maintenant la question des poivrons. Même chose, l'année dernière, on a obtenu des poivrons très très chétifs, beaucoup plus petits que celui-ci, et qui sont restés dans cet état-là, je dirais, toute l'année, quoi. Et voilà, ces poivrons ici ont été semés sous la lampe. Regardez, c'est déjà nettement mieux. Hein, ces semis ont été réalisés en même temps que nos pieds de tomates, le 11 mars. Ils ont donc exactement 2 mois. Voilà, hein, il y a 2 mois que ça a été semé et élevé sous la lumière. C'est plutôt pas mal, je pense que pour les poivrons quand même, regardez celui-ci, c'est plutôt propre. Hein, voilà, c'est plutôt encourageant. Donc l'année prochaine quand même, on essaiera d'entreprendre les semis de poivrons un petit peu plus tôt, hein, pour essayer d'obtenir quand même quelque chose qui sera plus proche de ça. Là encore, c'est du F1, hein, c'est la variété Apache. Donc ça vient là aussi de la jardinerie, hein, voilà, j'ai une feuille coupée là. On a des plants un petit peu plus forts quand même, dont j'imagine qu'ils ont été semés un petit peu plus tôt que les nôtres, quoi. Voilà, mais enfin, là encore, on est très très loin du résultat qu'on avait obtenu en fin de saison l'année dernière. Donc on démarre plutôt sous les meilleurs auspices, quoi. Voilà, on installe ça et puis après je vous présente les tomates. Alors voilà, les poivrons, aubergines sont plantés, 3 pieds de chaque, sur ces 9 mètres carrés, ça sera suffisant, le reste on va le consacrer aux tomates donc. Ben voilà mes plants de tomates, hein, qui ont eux aussi été semés le 11 mars dernier, et qui ont poussé eh bien, sous la lampe. Ben voilà ce que ça donne, hein, j'ai des pieds là, de 60-70 cm là, au bas mot. C'est plutôt pas mal je trouve, par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. Oh là, ben... oh, ici on a... un monstre, voilà, un anaconda ici. Voilà, hein, s'il fallait une preuve de la bonne santé du sol de notre serre, en voilà encore une, c'est très bien. Donc, ces pieds de tomates vont être disposés ici. Alors, on a 3 variétés, cœur d'albenga, Cuban Black
et on en a encore une autre, Centium, voilà, qui est une variété, je crois, déterminée. Donc, qui va pousser un peu moins haut que les autres. Donc, il sera plutôt sur les bords extérieurs, puisque la, la serre est en forme de tunnel. On va essayer de mettre les pieds les plus hauts au centre, et puis les moins hauts, a priori, ceux qui devraient le moins se développer, plutôt vers les extérieurs. Et alors, on va ajouter également deux plants. Alors ça, ça vient également de, d'un petit rayon jardinerie, d'un, d'un magasin de bricolage, en l'occurrence. Deux pieds de noir de Crimée, puisque c'est une tomate qui est visiblement très, très en vogue, dont on entend beaucoup parler et qu'on ne connaît pas. Voilà, donc on va combler une lacune. Et bon, chez Gamcher, j'ai pas trouvé. Il y avait que des plants F1. Il n'y avait pas de plants reproductibles. Mais j'ai réussi à la trouver par ailleurs cette cette plante-là. Donc j'en ai pris deux plants. Et il se trouve que elle a la particularité d'être greffée hein, ici. Alors ce qu'on nous dit en faveur du greffage des tomates, c'est plus de résistance. Alors ça c'est tout à fait exact, hein. C'est comparable à ce qui se passe par ailleurs avec le greffage des fruitiers par exemple, que je connais très très bien. On va bénéficier d'un certain nombre d'avantages liés au porte-greffe lui-même. Donc plus de résistance, complètement d'accord. Plus de vigueur. Si le porte-greffe est amené à apporter de la vigueur à la variété qui est greffée dessus, ça sera effectivement le cas. On peut chercher le contraire, on peut chercher à affaiblir la vigueur d'une variété avec un porte-greffe plus faible. Hein. Bon là, visiblement, c'est pas le cas. Et plus de goût. Bon, alors là, je crois que c'est peut-être un argument un petit peu plus contestable. Mais bon, voilà. Nous voilà partis avec deux pieds de noir de Crimée. C'est très bien, on pourra récolter les graines, puisque que ça soit greffé ou pas, de toute façon les graines, elles seront reproductibles sans, sans problème. Je n'ai vu mentionner F1 nulle part là-dessus, donc il s'agit pas d'une pseudo noir de Crimée. A priori, on est bien sur la tomate d'origine, quoi. Et puis on va remplir la serre de cette manière. Alors, ce que je voudrais vous préciser également, c'est qu'on a pris soin de repiquer nos plants de tomates dans des pots très profonds, de manière à ce que des jeunes radicelles se développent sur la tige. Hein, à chaque repiquage, il convient d'enterrer assez profondément les plants de tomates, et des nouvelles racines vont pouvoir apparaître le long de la tige qui sera enterrée, de manière à alimenter d'autant mieux le futur plant, quoi. Au sujet du substrat utilisé pour le rempotage de ces pieds de tomates, 50% de terreau, 50% de crottin pur, voilà, mélangé à ce terreau, hein, à raison de 50%. Là encore, voyez, qu'on vienne pas me dire que le crottin ça brûle, manifestement c'est pas le cas, et je vous le démontrerai tout à l'heure encore avec une autre expérience à laquelle je me suis livré. Voilà, la serre est plantée. Une étape importante dans la saison du jardinier, hein. C'est un cap important qui est franchi aujourd'hui. On est sûr de rien, bien évidemment, on ne sait pas comment ça va évoluer tout ça. Néanmoins, on a déjà un peu la satisfaction d'avoir sensiblement mieux organisé notre espace que l'année dernière. Rappelez-vous, il y avait un gros potiron qui poussait. Enfin, on avait fait un peu n'importe quoi sur cette toute première année. Donc voilà, on déjà dans l'organisation un peu de l'espace, on a un petit peu revu les choses et tiré un petit enseignement des bêtises de l'année dernière, ce qui est très bien. Après, l'espace me semble tout à fait correct entre les plants. J'ai eu la visite de mon copain Seb tout à l'heure qui m'a amené aussi un plant de marmande. Donc, en plus des Cuban Black, des cœurs d'Albenga, des Centium et des Noirs de Crimée, il y aura un pied de marmande qui est reproductible également. C'est parfait, on a encore un tout petit peu d'espace là devant, j'ai encore 3 ou 4 pieds à la maison sans problème pour venir occuper cet espace. Je pensais que ça serait compliqué et finalement il me reste un peu de place, donc c'est très bien, on va compléter ça. Mais alors les pieds, je les ai semés bien après, ils sont pas plus hauts que ça, quoi. Par contre, contrairement à ceux-là, ils vont accuser un certain retard. Bon, tant pis, on va faire avec ça, hein. Ça ira très bien.
les hoyas sont en place, ils sont remplis, les jeunes plantations là ont été arrosées. Et ce que je vais essayer de faire également, c'est de mettre là derrière, dans mon dos, deux pieds de melon qu'on essaiera de faire grimper en hauteur. Et on suspendra les fruits dans ce cas. Hein, dans l'idée de gagner un peu de place, c'est quelque chose qui est parfois pratiqué apparemment. Et bon, l'année dernière, on a mangé un seul melon. Hein, dans la serre, on avait mis deux pieds également. On n'en a mangé qu'un. Bon, on verra cette année si on réussit à faire mieux. On est quand même tout au nord de la France. C'est pas gagné, quoi. Et puis, on continuera à planter un peu nos courges, hein, potirons, butternut, courgettes, etc. Tout à l'heure, cet après-midi. Là, on va faire une pause pour aller déjeuner. Et je vous montrerai un peu ce que j'ai mis en place pour les petits pois et les haricots, puisque j'ai eu une très très mauvaise surprise en début de saison ici. Mes petits pois ont été attaqués doublement. Bon, d'une part un peu les limaces, un tout petit peu. Par contre, j'ai eu une attaque sévère de ce petit insecte qu'on appelle des cytones. Qui font des dégâts très caractéristiques sur les très jeunes plantes petits pois, surtout au début, hein, et des entailles dans les feuilles, sur le bord du limbe de la feuille, on a des entailles tout à fait caractéristiques en forme de demi-cercle, un peu comme peuvent le faire les othuriques sur les plantes ornementales. Et donc, ces cytones m'ont ravagé complètement mes petits pois, et donc, pour redémarrer correctement, eh bien, j'ai entrepris de ressemer les petits pois en pot, comme l'avait testé Seb, hein, de la chaîne Jardiner au naturel. Excellente chaîne, excellent Seb d'ailleurs, excellent jardinier, vraiment confirmé, et pourtant qui n'hésite pas à remettre en cause ses pratiques et qui expérimente beaucoup de choses. C'est très intéressant. D'ailleurs, merci pour ça, Seb. Donc, j'ai suivi la méthode que tu avais préconisée il y a quelques temps et j'ai ressemé mes petits pois en pot et ça a très, très bien fonctionné. Donc, on va pouvoir réinstaller des petits pois ici dans nos parcelles, voilà, un peu plus grands et qui auront été préservés de toute attaque puisqu'ils ont poussé à part du jardin à la maison. Voilà. Bien, une petite chose encore dont je voulais vous parler au sujet du crottin. Hein, je vous expliquais tout à l'heure que le crottin, je le mélangeais à 50% dans mon terreau de rempotage et de semis d'ailleurs. Et alors, voilà, je me suis livré une petite expérience, bon, pour jouer, hein, pour voir un peu jusqu'où on pouvait aller comme ça. Et j'ai semé 6 graines de butternut en pot dans du crottin pur, hein, voilà, ça c'est du crottin à 100%, hein. Et vous voyez, c'est parfaitement levé, ils sont en train de faire leurs feuilles là, au-delà des cotylédons. Voilà. Alors, je sais pas si je vais essayer de me rapprocher un peu. Séverine, tu me guides s'il te plaît. Ça va là, je suis encore bon. Voilà, 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 ça c'est du crottin, hein. Juste du crottin. Et voilà, on voit les racines qui... Enfin voilà, ça marche, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, encore une fois, hein, après, j'arrêterai avec ça, mais voilà, s'il fallait vraiment démontrer que le crottin n'est pas un produit ou un matériau qui brûle les racines, ça n'est pas azoté, c'est très clair. C'est... À ce titre-là, c'est même pas un engrais. Hein. Je suis bien au clair là-dessus. Ben voilà, la démonstration est faite. Hein. On peut même clairement semer à même le crottin pur. Voilà. Voilà, en guise de mot de la fin, donc je vais vous quitter avec quelques images du jardin tel qu'il est aujourd'hui. Donc nos oignons qu'on avait plantés trop profond par ailleurs sous le foin, qui sont en train de plutôt bien sortir. Donc je ne me projette pas à l'issue de cette culture. Il y aura peut-être encore des conséquences à cette plantation trop profonde. Pour le moment, ça se porte plutôt bien. Il en est de même pour les échalotes ou l'ail d'ailleurs. On pourra avoir aussi une rame qu'on a difficilement construite cet après-midi avec Séverine, qui se veut bien plus haute que ce qu'on avait posé l'année dernière, hein. On était à 1m50 de hauteur maximum, c'était beaucoup trop bas. Bon, c'est des cultures qu'on ne connaissait pas du tout, on n'avait jamais vu un haricot à rame de près, hein. Donc là aujourd'hui on sait un peu mieux comment ça marche et on a construit une structure un peu plus haute en espérant que ça fasse l'affaire. Et puis vous verrez un peu nos gazons fleuris en tête de chaque planche de culture qui se sont fortement développés. Et d'ailleurs,
ce que j'ai ressemé là-dedans cette année, il y a quelques semaines là, peine à sortir puisque les vivaces et bisannuelles occupent l'essentiel du terrain, quoi. Donc j'avais des tournesols semés par exemple, je les vois pas sortir. Il aurait sans doute fallu que je les sème dans des pots. Hein, ça aurait peut-être été, de manière à les repiquer ensuite, ça aurait peut-être été plus efficace. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt. Merci vraiment encore de me suivre. Vous êtes pratiquement 3000, je crois, aujourd'hui. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et puis, continuez à me faire part de vos remarques. Voilà, enfin, tout ce que je peux avoir en matière d'échange avec vous, c'est vraiment très, très important, quoi. Merci pour ça. À très bientôt. Ciao, ciao. Alors, j'ai oublié de le faire, je vais donc réparer cette erreur dès à présent. J'ai une petite dédicace à faire à ma classe de seconde, aménagement paysager, ma classe de seconde, la classe des petites saucisses cocktail. Ils comprendront à quoi je fais référence. Donc Yann, en particulier, je vais te montrer. Voilà. Bah, attends, je vais pas étaler plus, je vais mettre la caméra là-dessus et je vais te montrer un peu pour que tu puisses constater la qualité du sol dont je te parlais et dont tu sembles douter. J'espère qu'à partir de ça, il n'y aura plus jamais de malentendu et que tu ne mettras plus jamais ma parole en doute. Alors on y va Yann, je mets des gants parce que je me suis un peu blessé là. Hier, et je voudrais pas que ça remette des cochonneries dans la plaie. Voilà. Alors, regarde bien. Tu vois ici le paillage un peu plus vieux. Je l'écarte. Voilà. Regarde. Voilà. Un sol qui n'a jamais été travaillé depuis fin 2016. Ben voilà. Et regarde. Il y a des vers de terre. Voilà. Tu peux voir. Voilà, il y en a encore là. Enfin voilà quoi. La démonstration est faite. Hein. Pas besoin d'outils. Je remets ça bien en place.